Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, Elohim, Adonai, le Dieu d'Israël, Baruch HaShem, pour ta grâce que tu nous fais aujourd'hui, d'être dans la prison, dans ta présence, afin de parler à ton peuple. Utilise ma personne, apporte une restauration, apporte que j'ai une bénédiction particulière pour ton peuple. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ou du moins qui sont en temps de sont là pour ce programme, utilise-moi et fais du bien. La restauration, délivrance, guérison, merci de te manifester. Le Dieu des Hébreux, Hachem, merci Elohim de te manifester. Dans le nom de Yeshua et Mashiach, merci et c'est dans le nom de Yeshua que je priais. Amen. Amen. Amen, que Dieu bénisse. Amen. Je suis le prophète Joël Crasso. Joël Crasso à l'état civil. Joël Crasso, j'ai un nom kilométrique. Mon prénom, il y a trois prénoms. J'ai Garo, Joël, Shalom. Garo, ça veut dire chance en bété. Je suis chanceux. Je suis né le 1er janvier. Mes parents ont fini de manger. Ma maman m'a mis au monde. Je n'ai pas trop fatigué ma maman. Amen. Amen. Donc, Garo, Joël, Shalom. OK? Mon nom, c'est Crasso. Alors, j'étais un ex-musulman. À qui Dieu a fait la grâce, mes parents sont musulmans, des musulmans, et Dieu a fait la grâce de connaître Jésus. J'ai connu pas mal de difficultés, j'ai eu beaucoup d'attaques de la sorcellerie, mon père m'a victime même de tout ça, et puis Dieu m'a fait la grâce de connaître Jésus. Donc je suis devenu prédicateur de l'évangile, parce que Dieu veut que je sois son messager. Je ne suis pas devenu prophète parce que je voulais être prophète. Je suis prophète parce que Dieu veut que je sois son prophète, alors que son nom soit béni. Voilà. Et il m'a spécialisé dans un domaine qui est la destruction des œuvres des ténèbres. Ah, j'ai été vraiment choqué aujourd'hui par rapport à la Côte d'Ivoire. Les images que j'ai vues qui me guettent, ça m'a fait couler les larmes. J'ai dit, qu'est-ce que devient la Côte d'Ivoire dans 10 ans? C'est du jamais vu. C'est vrai que les gens profanent les tombes. Père à son âme, Rouen, ange Didier, qu'on appelle Arafat, il est mort. Il a eu les honneurs de l'État. Il a eu toutes sortes d'honneurs. OK? Ils sont allés l'enterrer. Comment les gens n'ont pas peur? Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne respecte même pas un cadavre. On l'enterre, que vous croyez ou pas. Le seul problème, la question que je pose aux gens, vous pensez que sa propre maman ne peut pas reconnaître le corps de son fils? Sa propre femme qui dort avec lui, qui dormait avec lui parce que les congés sont passés, ne peut pas reconnaître le corps de son mari. Tous ses proches, son manager, ne peut pas reconnaître son corps, et c'est vous qui n'avez jamais dormi avec lui, qui le connaissez peut-être de loin. Voilà. C'est vous qui doutez de son corps. Et comme vous ne croyez pas que c'est lui, vous allez tirer un mort, on l'ensevelit, on l'enterre, et vous partez profaner la tombe. C'est-à-dire, vous tirez, vous cassez, vous tirez le cercueil, et vous enlevez le corps. Et vous déshabillez le corps. J'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. On peut aimer quelqu'un, mais il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Je me pose la question, que devient l'avenir de la Côte d'Ivoire? Parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Cette jeunesse-là, il y a un phénomène qu'on appelle les microbes. L'État ivoirien n'a pas pu régler même encore ce problème. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui se donnent à la violence. Ils n'ont pas peur. Et quand un pense bien, et ce n'est pas l'artiste, pourtant c'est lui, c'est vraiment lui, ce n'est pas de l'amusement. Les artistes vont quitter un peu partout du monde entier. Vous pensez qu'ils vont venir trouver une poupée dans un cercueil, arrêtez de convertir. Quelle que soit la beauté du cadavre, on finira toujours par l'enterrer. C'est pas ça. On va l'enterrer.
Si on n'avait pas ouvert le cercueil, vous allez parler. Mais en ouvrant le cercueil, vous-même encore par violence, on ne profane pas une tombe. On ne peut pas prendre le corps de quelqu'un. Et encore, la leçon que j'ai tirée de ça, vous dit vanité des vanités, tout est vanité. Quand je pense que cet artiste là disait, oh, j'ai acheté une voiture de 200 millions, j'ai acheté une voiture, j'ai une voiture de 300 millions, j'ai tant. Et je voyais le corps de cet artiste là, sans vie, sans mouvement. Tout le monde pouvait le toucher, tout le monde pouvait le manipuler. J'ai dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Il faut faire du bien aux gens. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. Pendant que nous sommes vivants sur cette terre, faisons du bien autour de nous. Ne soyons pas méchants. Posons des actes positifs qui vont un jour nous rattraper dans le ciel. Il y a des gens qui ne croient pas au ciel. Ça, c'est ton problème à toi. Hein. Ça n'engage que toi. Ça, c'est toi qui vois. Bon, tu ne crois pas au ciel. Maintenant, tu n'essayes même pas. Si moi, je crois au ciel. Je crois. Hein? C'est gratuit. Voilà au ciel. Attendez, c'est gratuit. On ne paye pas. On croit en Jésus, c'est gratuit. Supposons. Je crois que ça existe. Hein? Supposons que ça n'existe pas. J'ai perdu quoi? À votre avis, j'ai perdu quoi? Vous ne répondez pas. Je n'ai rien perdu. Bon, toi qui dis ça n'existe pas. Tu dis non, ça n'existe pas. Maintenant, tu meurs et tu vois que le paradis et l'enfer existent. Mon frère, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Non, ça n'existe pas. Maintenant, tu meurs. Qu'est-ce qui prouve que ça n'existe pas? Le ciel, le paradis et l'enfer existent. Celui qui meurt sans Christ va en enfer. Celui qui meurt avec Jésus part. On vous dit. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous avons tous laissé tout ça. J'ai regardé le corps. Malheureusement, quelque chose qu'on ne doit même pas faire. On profane. Il faut respecter la mémoire des gens. Il faut respecter. Si on a une autre personne, un artiste, mais il faut protéger son intimité. Il faut protéger sa dépouille. Il faut protéger ça. Si toi, on faisait ça à ton papa, ça va te plaire. Arafat, Il a des enfants. Et moi, apprendre ça, c'est un choc. C'est comme vous l'avez tué deux fois. Vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas te détruire encore, mais ça n'engage que vous. L'État va rendre hommage à quelqu'un comme ça, une poupée. Comment vous pouvez imaginer? Malheureusement, il y a toujours l'intox. C'est ça que c'est dangereux. Franchement, le phénomène de Facebook, là. Nous, on utilise ça pour prêcher l'évangile. Mais il y a les gens qui vient intoxiquer les gens. Non, ça ne sera pas son corps, c'est pas lui qu'on a mis dans le cercueil. Ok. Les gens comme ça, ils vont baigner le monde comme ça, quoi. Pourquoi les gens sont toujours négatifs? Sa maman va voir le cochon, et puis elle va voir que c'est une poupée. Et puis elle laisse ça. La Tina que je connais, la maman d'Arafat, elle va regarder celle qui n'a pas la main sur la bouche, c'est-à-dire celle qui ne mâche pas ses mots, elle va voir que c'est coupé, c'est pas son fils, elle va se taire. Ah oui, yes. Tous les artistes avec qui il a fait des futurs, ils vont voir le corps, ils sont venus regarder. Depuis un moment, son corps est dans les casiers. Pourquoi on n'a pas de tatouage sur le corps? Mais quand il y a un cadavre, frère, quand on met formol, tu deviens autre chose. Quand on met formol en toi, tu noircis. D'abord, mais les thèmes noirs, le thé. On le met sur le mode, on ne peut plus voir des tatouages. C'est fini. Il est cadavre, c'est fini. Tout ça, j'ai fait. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, la jeunesse, cette jeunesse. Je prie Dieu que la jeunesse ivoirienne, que Dieu nous aide. Moi, ma prière, c'est que l'État ivoirienne puisse insérer le service militaire. Parce que notre jeunesse a raté beaucoup de choses.
Parce que le service militaire, c'est vrai que nous, on n'a pas fait. Mais en même temps, il y avait salut au drapeau. On nous enseignait le patriotisme, comment respecter le drapeau, tout ça, on nous enseignait ça. Quelqu'un qui ne connaît pas, il peut casser. On a vu qu'après les funérailles, les gens sont allés casser. À Gamé, il paraît qu'il y a eu, bon, ça c'est, je ne confirme pas tout, je n'ose même pas dire, qu'il y a eu même des morts, parce que les gens se sont opposés aux forces de l'ordre. Comment tu peux te poser aux forces de l'ordre? Les États-Unis, les pays les plus développés au monde, ils respectent le corps habillé. C'est quel pays où on tue, où un civil prend arme et puis vient et tue un corps habillé? Vous ne voyez pas où le pays est en train de partir? Notre pays, là, vous ne voyez pas où c'est en train de partir? On n'en a plus peur. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Le pays est en train d'aller vers le chaos. Quand vous regardez les événements qui sont en train de se passer, mettons-nous tous en genoux, prions pour la Côte d'Ivoire. Sinon, le pays va sombrer. Quand on regarde maintenant, on voit déjà l'avenir. Ce qui nous attend demain. Ce n'est pas bon. Prions pour le pays. Laissons nos appartenances politiques. Je suis longtemps. On parle dans vos trucs. On parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est plus important pour nous. Prions pour la Côte d'Ivoire pour que Dieu puisse étendre sa main. Moi, je disais aux gens, je dis, vous voyez franc-maçon partout. Mais quand moi, je suis chrétien, ils m'en foutent. Je suis à Paris. La résidence où je suis là, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman. Ceux qu'on contrôle là, je ne sais pas quelle religion, mais la plupart des biens qu'on voit, les grands trucs, la plupart sont des gens qui sont des francs-maçons, ce ne sont pas des chrétiens. Ah, comme c'est un franc-maçon, donc je ne peux pas dormir dans l'hôtel Pluman ou bien dans le hôtel. Je ne peux pas dormir là-bas. Il n'y a qu'à aller dormir dans l'hôtel des chrétiens. Il y en a combien? Tout est sanctifié par la prière. Dis Amen. Le coin devient sanctifié. C'est tout. Si c'est ça, là, on n'allait même pas manger. Parce que Boukari disait même pas ce que quelle prière fait sur la viande. La femme même à Kokaki qui sont dans le coin, là, pourquoi c'est elle seule? Les gens défient. Vous ne savez pas ce qu'elle a mis dans le piment. Mais quand ils prient au nom de Jésus, tout est sanctifié. C'est ça qu'il faut prier. C'est pour ça que quand vous avez Jésus dans votre vie, le pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire quand le diable vous voit, il recule. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Ah non, les sorciers, je n'ai pas peur des sorciers. Tu es sorcier. Ok. C'est toi qui as choisi pour toi, moi j'ai choisi pour moi Jésus. On va dormir. C'est toi qui vas souffrir. Parce que tu ne vas pas sortir de ton corps. Ah. Vous, les sorciers, travaillez la nuit. Donc quand il est dormi, c'est toi qui vas souffrir. Moi, il est bien ronflé. C'est toi qui vas pas sortir, toi tu vas vouloir sortir pour aller manger ton chibouya. Donc c'est toi qui vas avoir problème. Ça vient que si grillage là-bas c'est choix, là. C'est toi qui vas problème. Ayons Jésus. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. On dit Amen. Amen. Et nous avons Dieu dans notre vie. Surtout la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Nous n'avons pas peur du pouvoir du diable, la franc-maçonnerie. La rose croix, tout ça du fétichisme, du maraboutage, l'occultisme, on ne nous dit rien. Je suis l'homme que les sorciers lancent toujours un défi. Il n'est pas perdu. Moi, il ne me disait rien. Parce que je connais la puissance de Dieu dans ma vie. Acceptez Jésus. Vous verrez que la main de Dieu sera puissante. Amen. Amen. Alors ce soir, je vais vous parler de la puissance de Dieu. C'est le risque. Il n'y a pas autre chose. Non. Nous ne parlons pas que de la sorcellerie. Mais c'est notre spécialité, on nous ouvre les yeux. Nous annonçons l'évangile de Jésus. Mais nous dénonçons la pratique du diable. C'est comme vous partez à la police, il y a des unités. On est sur dans la appelle PJ. La police judiciaire, elle cherche seulement les braqueurs, les bandits. Vous partez, on dit, ils sont commandos, ils sont gendarmes. Mais ceux-là, c'est des commandos. Donc, il y a une spécialité. Alors, nous sommes le corps d'élite du Saint-Esprit pour dénoncer les œuvres du diable.
Ah non, c'est pas bon. Quand vous faites ça, c'est pas bon. Hein? Les gens habitués disent ça, non. Hein? Pourquoi tu peux dire à ta maman qu'elle est sorcière? Ta maman est la sorcière. Hein? Le papa va dire. Comment on appelle chien? Un chien, comment on l'appelle? Un chien. Je n'ai pas accusé. Le chien s'appelle chien. Et le chat appelle chat. Le chat. Bon. La sorcellerie, là. Maintenant, pourquoi ça divise? Jésus dit, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Matthieu, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Non, je suis venu parce que la parole de Dieu souvent peut diviser les gens. La parole de Dieu peut souvent nous diviser. Ça dépend de comment nous comprenons la chose. Tant pis. C'est une vérité. Celui qui ne veut pas l'accepter, tant pis pour elle, mais sa vérité peut diviser. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Voilà, c'est pour ça que Jésus-Christ, il dit qu'il est venu apporter l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Nous, on s'en fout de ce que. Dieu s'en fout de ce que. Comment les gens prennent les choses. Mais quand il y a une vérité, il faudra la dire. C'est ça. Vous savez, notre ministère, c'est une spécialité. Ce qui fait que les gens viennent vers nous. Parce qu'ils voient que. Parce qu'aujourd'hui, que vous voyez ou pas, la sorcellerie passe son temps. Et la sorcellerie détruit. Et la sorcellerie, c'est dans toutes les langues de la planète Terre. Et heureusement qu'il a trouvé son nom en chinois. Amen. Amen. Il a trouvé son nom en chinois. Je ne m'amuse pas. Amen. Accordez-moi une minute. Chinois à son ministre. Chinois à son footballeur. Moi, je ne suis pas chinois, hein. Je ne suis pas chinois, je ne cherche pas être chinois, je suis prédicateur de l'évangile. Mais les gens veulent forcément être chinois, parce qu'Arafat est mort, chacun veut être chinois. Moi, je ne suis pas chinois, moi, je suis prédicateur de l'évangile, point bas. Voilà. Je suis disciple de Jésus, pas chinois. Mais le nom Jésus, la sorcellerie, ça existe. Embêté, bouillon, en doula, soubara. C'est tellement sérieux que j'ai dit, mais est-ce que ça existe en chinois? Oui, ça existe en chinois. Vous allez attendre tout à l'heure. Les chinois, ils ont fini ça, ils ont trouvé. Non, hein? Et mais ce qui est intéressant en chinois, c'est qu'ils ont le nom dit, la définition du sorcier et de la sorcellerie. Ça dit, le sorcier, son nom en chinois, existe et la sorcellerie, la pratique existe. Écoutez. Wuxi. Wuxi. Elle dit sorcier. C'est ça qui est là. Wuxi. Les Chinois, on dit sorcier, on dit Wuxi. Tout le monde dit Wuxi. Allez sur Google, faites la recherche. Voilà, on dit Wuxi. Ou chi. Elle dit sorcière, c'est ça qui est là. Ou chi. Donc un sorcier en chinois, c'est ou chi. Mais donc même en chinois, il y a le nom ou chi. Maintenant, la pratique de la sorcellerie. Ou chou. Ou chou. Ça, c'est sorcellerie. Couche. Ouchou. Donc, voici, le mot existe en chinois
ça existe, n'est-ce pas? Ça existe en chinois, ça existe dans toutes les langues. Si vous pouvez chercher des recherches, moi je suis allé faire mes recherches, on m'a balancé le nom. Voilà, donc le sorcier, Oshi, Oshi, ça le sorcier. Voilà, Oshi. Maintenant, Oshi, ça dit la pratique de la sorcellerie. Donc, vous voyez comment les gens, ils ne sont pas bêtes pour aller chercher, non, pour venir dire Oshi. Ils ne sont pas bêtes pour dire Oshi. Ils ont vu Oshi, ils ont donné le nom de Oshi. Ils ont bien vu Oshi. Ils ont bien vu Oshi, ils ont donné le nom. Donc, tout ce qui a un nom existe. Vous allez demander le bureau, il y a un nom. Vous allez demander les actifs, il y a un nom. Vous allez demander les douleurs, il y a un nom. Les bêtés, il y a un nom. Dans toutes les langues de la planète Terre, il y a le nom sorcellerie. Tu es né, on dit à lui là, voici son nom, il s'appelle René. Quelque chose dont on donne le nom, qui a le nom dans toutes les langues, malgré ça, les gens disent que ça n'existe pas. Mais celui qui dit ça, il est insensé. Il est insensé. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est même pas possible. Quand quelque chose n'existe pas, ça n'a pas de nom. La preuve, c'est que dans notre langue, il y a des choses qui n'existent pas dans nos vocabulaires. Telles que la neige. La neige, tu vas demander un bébé ou bien un doula. Neige, c'est quoi en doula? Il ne va jamais te donner le nom. Parce qu'il ne neige pas chez nous. Donc, nos parents ne peuvent pas trouver le nom de neige pour donner. Vous comprenez? Il y a des bourreaux là-bas. Oui. Il y a le nom de neige en bourreau. C'est d'ici. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Sur ton cerveau, là, tu vas tomber pour avoir des cadeaux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que ce n'est pas dans nos réalités. Ce n'est pas dans nos réalités. Si c'était dans nos réalités, on a réalisé ça sur l'aubergine. Parce qu'on voit l'aubergine. Le tourbillon, il y a le nom dans nos langues. Parce qu'on voit le tourbillon. Le vent, il y a le nom. Soleil, la lune. Mais il y a des choses qui n'existent pas. Donc le nom existe ici en Europe. Parce qu'il neige ici. Mais chez nous, il ne neige pas. Donc nos parents n'ont pas de nom. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce sujet-là est tellement sérieux. Tellement sérieux que les blancs, les occidentaux, les blancs dont vous voyez aujourd'hui, là, si vous voulez aller faire des recherches sur Google, tout ça, parce que c'est le grand moyen de recherche aujourd'hui, vous allez voir que les blancs eux-mêmes, ils ont attrapé les sorciers pendant 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans. Chaque jour, on les tuait pendant 400 ans. Pour balayer la sorcellerie chez eux. C'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Allez sur Google, vous allez voir. On les jugeait, il y avait un tribunal, on jugeait les sorciers, on les brûlait. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas les brûler. Je ne vous demande pas de brûler les sorciers pour nous. C'est une maladie. C'est pour ça que quand on a affaire aux sorciers, la sorcellerie, on règle ça spirituellement. Pour nous, hein, parce que la sorcellerie, c'est un démon, c'est un esprit mauvais. Qui vient habiter une personne. Et quand ce démon-là habite une personne, les œuvres que cette personne fait, ce qu'on appelle les œuvres du diable. J'ai parlé avec quelqu'un qui dit, non, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est la permission de Dieu. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous êtes à la merci du diable. Tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Le sorcier va te manger un sauterelle, un placaline, tu vas te manger. Dieu n'a rien à voir ça. Il ne peut pas te protéger. Mais le jour où tu accepteras Jésus, Dieu dans ta vie, et que tu marcheras selon les paroles de Dieu, Dieu sera dans l'obligation de te protéger. Non, pourquoi Dieu laisse les sorciers et faire des trucs? Est-ce que toi-même tu es dans Dieu? Toi-même tu fais la volonté de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alors, donc, tu as la merci des yeux du diable. Donc, quelqu'un qui a la sorcellerie, c'est un démon qui est en lui. Pendant que toi, tu parles avec cette personne, elle te jalouse, elle te voit. Pendant que ta maman peut être sorcière, ton père peut être sorcier. Tu peux même mettre d'une mère ou d'un père sorcier. Ah non, si c'était sorcier, ils allaient longtemps me tuer. Mais ton âme n'appartient pas à ton père.
Ton âme n'appartient ni à ton père ni à ta mère. Dieu nous fait seulement la grâce. C'est tout de vie. C'est tout. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est la protection de Dieu dont on bénéficie. Je sais que par moment, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à faire. S'il y a des sorciers, il y a longtemps qu'ils avaient bien mangé. Mais tu sais combien de fois tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que quelque part, Dieu me protège. Il y a souvent Dieu protège. Les gens essaient, et puis Dieu protège. Nous ne divisons pas les hommes. Nous ne divisons pas les hommes. Je suis désolé. Mais nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. La preuve, j'ai toujours dit aux gens, la plupart des gens, c'est ce que les gens viennent vers nous pour avoir, n'est-ce pas, une aide spirituelle. Il y a deux volets. C'est à vous d'accepter que Dieu agit dans votre vie par la foi, comme de renier la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit, quand nous lisons dans Éphésiens, le pasteur, lis-moi Éphésiens, allons dans Éphésiens. Éphésiens le chapitre 5, à partir du verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Ouais. Et ne prenez point part aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres du diable. Il dit de ne pas faire part, de ne pas participer aux œuvres du diable. C'est-à-dire, je ne dois pas cautionner le maraboutage. Je ne dois pas cautionner, non, le fétichisme. Je ne dois pas cautionner l'occultisme. Mais la Bible nous dit ici, et clair là-dessus, il dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire les condamner. Nous condamnons cette pratique avec la toute dernière énergie. Parce que la définition de la sorcellerie veut dire celui qui lance un mauvais sort. Donc nous condamnons la sorcellerie avec la toute dernière énergie. Il dit, ne prenez point pas aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, la Bible nous dit de condamner la pratique de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un mauvais sort. Écoutez, le sorcier, c'est celui qui lance un sort, un mauvais sort. Le sorcier, c'est celui qui détruit. Le sorcier n'a jamais apporté, n'est-ce pas, des actes positifs dans leur vie. Alors, pour les reconnaître, la plupart du temps, ils sont caractérisés par la jalousie haineuse. Le sorcier, c'est celui qui est jaloux. Trop jaloux, tu deviens sorcier. La sorcellerie, la jalousie. Et la plupart de ceux qui sont dans la pratique ou bien de la sorcellerie, les gens, voici notre forme de sorcellerie. Il y a des gens qui viennent, eux, ils n'apprécient jamais. Ils n'apprécient jamais. Quand il fait quelque chose, il n'apprécie jamais. Ils sont là toujours pour blâmer. Lisez le psaume, le chapitre 1, le verset 1 à 2. On y va. Et l'autre, vous lisez l'autre personne, le psaume 94, le verset 20 à 21. Psaume, le chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je te pose la question. Toi, tu marches selon quel conseil? Il y a des gens, là, ils marchent selon le conseil des moqueurs. Il y a l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des gens, eux, ils sont toujours là pour faire la méchanceté aux gens. Les bonnes choses là, ils ne sont pas dedans. Hein. Mais pour aller détruire quelqu'un, oulala, ils sont forts. Et ils sont experts dedans. Tu vas les voir dans parler comment détruire.
C'est ça la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le fait de malaise s'assoit avec des gens. Pensez comment détruire Jules. Pensez comment détruire Joël. Pensez comment détruire Rosalie. Pensez comment détruire Suzanne. C'est de la pratique de la sorcellerie. Il dit, qui ne... Il dit quoi? Le verset dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens, leur pouvoir commence à moquer. Ils veulent te voir ta chute et que se moquer. C'est une pratique de la sorcellerie. On dit amen avec moi. Amen. Il y a des gens, tout leur souhait, c'est de voir quelqu'un tomber. Il n'a qu'être malheureux, ils sont contents. Frère, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime, c'est l'esprit de la sorcellerie qui t'anime. Amen. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un n'est pas heureux, toi tu dois l'apporter de l'aide. Parce que l'homme que tu vois est sacré. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et toi-même qui te montre, toi-même qui viens depuis là, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Alors, quand tu poses un acte négatif, c'est le karma. Demain, tu vas récolter ça. On dit amen. Amen. La Bible dit quoi? On dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. C'est-à-dire, lui, il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qu'il la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau de ce toit. Et donne son fruit à sa saison. Il donne les fruits à des frétis. Vous savez, quand vous marchez selon Dieu, les commandements de Dieu, quand Dieu vous apprécie, il vous bénit. Amen. Il y a des gens, tu vois, il y a des gens que tu vois, mais tu pries pour eux. Ils ne sont jamais guéris. Parce que leur cœur est mauvais. Mais il y a des gens qui sont mauvais. Donc, ils sont devenus anti-miracles. Quand tu pries pour eux-mêmes là, ça fait king, c'est comme miracle, ne veut pas rentrer en lui. À cause de son cœur. Pas parce que Dieu n'est pas capable de guérir les gens. Pas parce que Dieu n'est pas capable de délivrer les gens. Mais à cause de la méchanceté des gens, leur cœur. C'est après que vous voyez dans leur comportement. Là où on critique les gens, ils sont dedans. Là où on fait du bien, non. Là où il faut protéger quelqu'un, non. Eux sont toujours inspirés en affairage.com. Ils sont toujours sur ce site-là pour affairage. Et encore, pour détruire, là, ils sont experts dedans. La Bible dit quoi? Mais il ne faut jamais t'asseoir en compagnie des moqueurs et des méchants. Mets plutôt tout ton plaisir dans la loi de l'Éternel, ton Dieu. Et mets cette parole en pratique. Et tu verras, on dit, tu es comme un arbre qui est planté. Toujours Dieu te bénit. Non, je suis venu à l'église, il a prié, ça n'a pas marché. Mais ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Regarde toi-même ton comportement. Regarde toi-même ta manière de faire. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Allons dans Romains, le chapitre 16, verset 17. Je vous dis, si vous respectez ça, si vous respectez cette parole, parce que tout compte fait, vous n'êtes pas venu pour rester longtemps, ou d'autres personnes sont des chrétiens de l'Église, ou d'autres personnes iront dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres localités, qui me suivront quelque part dans un pays et dans le monde. La seule chose qui permettra à Dieu de vous bénir, vous délivrer, ce n'est pas le prophète Crasso. Non, le prophète Crasso n'est pas moi à la croix pour vous. Non, le prophète Crasso n'est pas le maître de votre salut. Non. Le prophète Crasso ne peut pas vous donner la vie éternelle. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut vous donner cette vie éternelle. Le prophète Crasso n'est qu'un messager que Dieu utilise pour vous ouvrir les yeux. Alors, la meilleure manière de faire, c'est le suivi, la continuité. Quand vous devez scier cette parole dans votre cœur et de chercher à marcher en fonction de cette parole, vous verrez que Dieu confondra toujours vos ennemis. Amen. On y va? Oui. Romains 16, verset 1. Je vous recommande. Je vous recommande, fierté, notre sœur qui est diaconesse de l'Église. Romains, chapitre 16, verset 17.
Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. À prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Prendre garde à ceux qui créent des divisions et des scandales, j'explique après, allons-y. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous avez dit, prenez garde. L'apôtre Paul dit à l'église de Romains, parce qu'il dit, prenez garde pour ceux qui viennent contrarier, parler contre l'enseignement que nous donnons. Ceux qui viennent dire le contraire de ce que nous sommes en train de créer le scandale. Parce qu'ils ne connaissent rien, mais ils viennent toujours contredire la prédication. Il dit, prenez garde, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que je vous ai et que vous avez reçu. Allons-y. Il dit, éloignez-vous d'eux. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas se baser sur la parole de Dieu. Hein, non, et puis lui, c'est la parole de Dieu qu'un homme de Dieu, un enseignement qu'un homme de Dieu prêche. Il condamne ça. Sur quelle base? Sur quelle base? Quel principe? Parce que quand tu veux parler, il faut connaître la parole de Dieu. Sur quel principe? Sur quel principe? Les gens toujours disent, ah, dans les derniers temps, il est roi les faux prophètes. Mais on dit aussi, dans les derniers temps, les gens aussi attaqueront les hommes de Dieu. C'est biblique ici. Amen. Amen. Il dit, éloignez-vous. Il dit, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. C'est pour vous dire, faites très attention. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Il dit, je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales sur le peuple de notre enseignement. C'est-à-dire sur la barre de notre enseignement et qui disent que non, ça ne doit pas être non. Ou, il dit, prenez garde, il dit, éloignez-vous d'eux. Nous sommes aujourd'hui révoltés contre les yeux de la sorcellerie. Celui qui dit le contraire, car non, vous voyez les sorciers partout, mais les sorciers sont partout près. Les sorciers sont partout. C'est ce que la Bible nous dit. De dénoncer cette pratique de la sorcellerie. De dénoncer. Et un sorcier, c'est celui qui est négatif. Celui qui est sorcier, vous savez, il n'aime jamais. Un sorcier, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui te posent un mal dans ta vie. Au moins, un sorcier, c'est celui qui a la conscience morte. Un sorcier, il faut lui donner à manger. Demain, il va te manger. C'est ta tête là même qui va retrouver dans son grain. Et puis, il va tirer tes narines. Il tire narines. Elle, langue, elle tire. Lui, il s'en fout. Malheureusement. Vous voyez, quand quelqu'un vous a une fois aidé dans la vie, et pour vous retourner contre cette personne, vous décidez de nier la vie de cette personne. Vous n'êtes que un sorcier. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est bête. La sorcellerie, c'est ça détruit. C'est pour ça que nous dénonçons ça. La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Mais dans les actes que la personne pose, on peut savoir. Le sorcier est trop méchant. Le sorcier, il aime beaucoup critiquer. Il aime diviser les gens, il aime les gens. Vous voyez, lui, il n'est pas bon. Lui, là, c'est lui. Tu connais les gens qui ne sont pas bons. Ok. C'est toi qui connais les gens qui ne sont pas bons. Venez, il y a information. C'est toi qui as information. C'est des nids RFI ou bien. Lui, on ne mange pas pour lui. C'est lui qui veut manger tous les jours. Chez nous, encore, on appelle les amounas. Leur argent, tu ne vois pas. Ils sont méchants. Et puis, là, ils sont rancuniers. En disant, soubaga, yere, soubaga. Sont réguliers. Et ils gardent. Et puis tu avais pu, ils font semblant de parler avec toi. Or, oh, il est en train de creuser ta tombe. Oh Dieu, que le feu soit sur vous. Que le feu soit sur vous. Ils sont très hypocrites. Ils font semblant d'être avec toi. Mais ils sont amis. Frère, celui qui est ami avec toi,
et puis qui est ami avec ton ennemi. Comme vous voulez parler des prophètes, mais comment parler des ennemis? Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu n'es pas obligé de les aimer. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas t'aimer. Pour rien. Parce que tu prospères. Parce que tu es bien. Et celui qui pense qu'il est ami avec toi et qu'il devient ami avec ton ennemi, ça veut dire que, frère, il n'a jamais été ton ennemi. Parce que quand vous allez, quand ils vont se prendre, ils vont parler de toi. Quand ils vont se voir, leur causerie va tourner autour de toi. Il y a des gens, leur amitié, là, c'est servi des renseignements. Vous n'avez pas. C'est des renseignements généraux. Et bien près de toi, c'est pour ça que ce n'est pas tous les amitiés pour acheter. Si vous voulez vivre bien, aimez la discrétion. Ce n'est pas tout, on dit, hein. Oui, mes parents, vous savez, je suis en train de construire une maison. Boum, dans le cœur des anglais, il est déjà fâché. Parce qu'il n'a pas fait pour lui. Hein, tu fais une maison. Hein? C'est bon, il est content. Oh, dans son cœur, il n'est pas content. C'est un diable. La nuit, son aide, il tape là-bas, c'est levé. Les Blancs, ils ont Air France. Mais lui, Guetta plat, il vient voir, il va se lever la nuit. Il va aller prendre son avion, lui, il est sur la sur. Il va venir détruire tous tes projets. Donc, ça dit, frère, tes projets que tu fais là, il faut fermer ta bouche. Lui seul va faire bruit. Quand ça a fini là, toi tu passes. C'est pour qui tu vas dire, mais moi, c'est le propriétaire. Parce que quand tu parles beaucoup là, ils vont venir chier. Tu connais quelqu'un des sorciers? On appelle ça Gouni. Tu connais Gouni? Un caca sec, constipé, il vient, il chie boum, devant. Pendant que tu es en train de construire, il vient chier. C'est fini, hein? Si ce n'est pas le miracle de Dieu, tu ne vas plus construire maison. Donc, attention à ceux avec qui tu parles. Parce que ton plus grand ennemi, celui qui va te détruire, c'est celui qui est plus proche de toi. Les autres auront peur de toi. Ne cherchez pas les ennemis de loin. Judas était disciple et ennemi traître. Satan, qu'on appelle, Lucifer, il était ange. Et puis il est devenu Satan. Ne regardez pas l'apparence. Faites très attention à ceux avec qui vous parlez. Ce n'est pas tout on dit, ce n'est pas tout le monde qu'on se confie, ce n'est pas tout le monde qu'on se confie. Parce que tu ne vois pas dans le cœur de tout le monde. Pendant que toi tu parles, toi tu ne sais pas qui, l'autre, ce qui est dans son cœur. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Soyez discret. La discrétion. La puissance de la discrétion. Je vous conseille à lire la parole de Dieu. Je vous conseille à plonger dans la parole de Dieu. Et à beaucoup prier. Parce que les temps sont mauvais. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. On va se tenir debout. Je vais prier pour ceux qui veulent marcher avec le Christ véritablement. Levez la main comme ça. Ceux qui veulent marcher avec le Christ. Alors dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je décide. Je décide. De t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De m'avoir accepté. De m'avoir accepté. Pardon tous mes péchés. Pardon tous mes péchés. Amen. Amen.